Yahoo petit pancha, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui je te retrouve du coup pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que je ne pensais absolument pas faire sur la chaîne. Donc je t'explique vite fait, mercredi dernier, donc mercredi pour toi hein, de cette semaine là, je suis passée à mon Leclerc pour penser à essayer de choper la dernière figurine Marvel Altaïa. Donc ça je t'envoie dans la barre d'infos, tu verras le lien de ma nouvelle chaîne YouTube où j'ai fait une ouverture. Et en fait tout simplement je voulais voir s'il y avait Hulk qui était sorti ou pas et je ne l'ai pas vu. Et en fait j'ai vu juste le haut dépassé dans le rayon, j'ai vu la tête de Gaï, j'ai vu la tête de Kiba, j'ai vu Naruto Shippuden, j'ai soulevé le truc et j'étais là, oh mon dieu. Donc je sais très bien que j'arrive 30 ans après la guerre, hein, on est sur le 18 et le numéro 19, je crois que même c'est peut-être les dernières. Ça a commencé, j'ai regardé sur le site Altaïa, ça a commencé le 8e mois, donc du coup en août. Donc c'est vrai que j'ai vraiment du retard, je vais pas chercher forcément à récupérer les autres figurines. Mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant le fait qu'on ouvre ça ensemble, du coup que tu puisses voir la qualité des figurines, etc. etc. Comme ça au moins si Altaïa ressort des trucs comme ça de figurines, on va dire otaku, hein, parce que ça peut être One Piece ou autre, tu auras au moins un avis sur la qualité, sachant que comme je te dis, j'ai acheté aussi les figurines Marvel là, qui sont sorties, où il y a les mini bustes, je vais te mettre une image quelque part, et la qualité est vraiment ouf. Donc voilà, donc quand j'ai vu, j'ai craqué. N'hésite pas à me dire justement qui tu préfères, si tu préfères Kiba ou si tu préfères Gai Sensei. Moi personnellement c'est largement Kiba. Il y aurait eu un autre personnage que Gai, j'aurais pris l'autre personnage. Hein. J'ai vraiment craqué parce qu'il n'y avait que deux. Et je me suis dit, autant en profiter. Donc voilà, donc je vais ouvrir les plastiques et on se retrouve juste après. Donc voilà, c'est enlevé. Donc je pensais que c'était juste une feuille en fait devant derrière. Mais non, en fait c'est un petit livret, donc je vais te montrer avec Gai. On va regarder vite fait. Donc en fait on a plein d'infos sur les personnages, c'est vraiment top. Donc là on ajoute toutes les informations pour collectionner, j'ai l'impression. Donc là on a vraiment des informations sur Gaï apparemment, sur la pose du chic type et tout. On a vraiment, tu vois. Donc je vais passer vite fait hein. Oh cool, on a même un poster. Ah, elle est classe. Elle est classe l'image. Par contre, pas de peau pour moi. Je sais pas si tu verras. Elle a été abîmée. Donc, voilà. Ah, elle est belle l'image. Et donc là, on a... Pardon, je bouge en même temps le sol. Enfin, le sol. Ouais, la feuille. Donc voilà comment c'est devant. Pour Kiba, c'est pareil derrière, du coup. Ça a coûté 9,99€ au cas où. Hop, donc Kiba c'est pareil. Là c'est sur la mission récupération de Sasuke. Donc des informations sur qui est qui, donc Akamaru pour lui, Shino. Un magnifique poster du coup. Hop. Et voilà. Oh, trop mignon. Donc du coup, maintenant, je vais déceler les figurines et je te retrouve juste après. Donc du coup, on va commencer avec Gai. Donc je l'ai enlevé de son socle, hein, mais ça se remet super facilement. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Hop. On a vraiment tous les détails et c'est super bien fait parce qu'on voit même les reliefs de la veste, les pliures et tout. Parce que là, on a même, tu vois, la pliure du tissu, quoi. C'est super bien fait. Et pour son prix, vraiment, 9,99€. Il y en a des fois, tu trouves en boutique, manga, elles sont pas d'aussi bon état. Donc, franchement. Donc, j'ai zoomé pour que tu puisses mieux voir, logiquement. Voilà. Vraiment, tous les détails. Voilà, comme je disais, ça se remet super facilement, c'est que, voilà, c'est fait. Donc du coup, voici Kiba, qui est juste parfait. Donc moi, j'avais aperçu les figurines quand c'en était à Tsunade et le démon renard qui est dans Naruto. Et j'avais hésité, je me suis dit non, prends pas, voilà, c'est...
Naruto, c'est pas la série que je suis. Et puis finalement, j'ai regretté. Et puis là, vu que mercredi, j'ai vu Gaï et Kiba, du coup, bah voilà. Donc on a vraiment tous les détails. Et là aussi, ça se remet super facilement. Enfin, faut que je le mette dans le bon sens, bien sûr. Voilà, hop. Et voilà. Donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire si tu as aimé cette vidéo ou pas et à m'expliquer le pourquoi tu n'as pas aimé ou pourquoi tu as aimé. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je te rassure, il n'y aura pas des vidéos figurines deux fois par semaine. C'était vraiment un coup du hasard. Sur ce, à bientôt !